Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Pharaoh Total War dans lequel nous incarnons le grand, le puissant, le pharaonique, c'est le cas de le dire, Amenmes, dit le doré. On va y voir où c'est qu'on en sommes. Ah oui, il y a Esseti qui est venu au pied des choses. Ah, on avait également la nouvelle construction, statue colossale en cours de construction. En plus, bon, il va se prendre la garnison sur la tronche en même temps. La victoire. Voilà, Seti, j'espère que tu es content d'être passé. Ah, sweet victory. Oh, sweet victory. Voilà, Anubis les attend. On va tergiverser plus que le nécessaire. Félicitations pour ton nouveau rang. Et tu passes en petit s'il te plaît. Si jamais petite troupe là qui peuvent passer. Qu'est-ce que t'es parti foutre en mer toi, mais sérieusement. Si je me trompe pas, en plus il y a Chypre, non? Ouais. Là ça va. Ok, ok. C'est fou quand même, tu te dis y'a pas d'île par là. Je suis pas au courant qu'il y ait. Peut-être qu'il y a des îles, mais aucune île. Là, je regarderai, par pure curiosité. Voyons, statut diplomatique. Ok, Ramsès, Seti, ils sont tous par là-bas. Toi, admettons, tu arrives là. Ah purée, je peux pas faire de campement. Ça marche pas. Je vais perdre dans le désert dans mon propre territoire, c'est dur ça. Je vais pas faire d'avant-poste. Ah il est en. Immunité normalement contre les pertes dues à l'usure. Non. Ok. Pourquoi pas bon. C'est pas grave. Là, il faut qu'il traverse le fleuve, donc on n'aura pas la portée. But. Si, je peux les mettre un peu en. Ben non. Non plus. Non, c'est terrible, il n'y en a aucun qui a la portée. Bon, si on fait ça. Ils vont là. Merde, non, c'est là que je veux. Voilà. Là, ils arrivent à Nickel. C'est nickel. Résolution auto. We were too much for them. I'm always learning. D'huile et de cèdre. Ok. Hop. Ça, on s'en. Ah non, peut-être pas, on s'en secoue peut-être pas en fait. Production de bronze. Oh, on s'en secoue pas encore. Non, on s'en secoue pas. Quand que ça se passe ailleurs. Oui. C'est parce qu'on va s'avancer tranquillement. Voilà. En campement. Set up camp. I'll prove myself worthy. Warrior of Nubia. Peut-être descendre toi, peut-être falloir aller embêter un petit peu quelqu'un. Bouto par exemple, faut embêter Tauserte. Bah si, Tauserte. Bah attends. Je vois Tauserte, ensuite je vois Bouto. Tauserte. Ah si si, j'ai pas. Ah non d'accord, c'est la province. Ok. Question de province. On va aller à Sai. Ouais, non, mais enfin, on passe par le Nil aussi, un bout d'un moment quand même. Je connais pas, mon ami. Ça aurait été un tour pas mal rempli, hein. Un complot. Oui. Ouais, tout le complot. On aime bien. Ah,
Oh, de la main-d'œuvre. Oh, même beaucoup de main-d'œuvre ici, ça fait plaisir. Dommage, ça fait moins plaisir. Hop. On va tout mettre dans la croissance de main-d'œuvre. Ça, je m'en fous. Puis. Attends d'avoir ce qu'il faut. Bah. Non, tu me diras, les deux m'importent. Non, lui, il m'en apporte pas. Bon, c'est pas très très grave. Putain, mais on peut rien faire, c'est. Ouais, la ville est vraiment pas très très développée. Bon, main d'œuvre, allez. Bon, augmenter la main d'œuvre. On verra plus tard pour le reste. Voilà. J'ai quoi faire ici? Je sais pas grand chose. Du de la pierre, de la boue. Faire ça, marché de l'or. Et je commande influence encore un peu bas. Tribune de crieur. Ici. On va faire de la croissance. Eh. Merci. Non. Merde. C'était où? C'était là. J'ai perdu la construction. Du bonheur. Du bonheur, du bonheur. Non. Non, 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 sans plus. Hein. Ça. Ah merde, j'ai déjà ça. J'essaie de faire un truc que j'avais déjà. Ça craint. Je produis encore un peu de tout ici. C'est... Ça. Et là, j'ai pas ce qu'il faut. Ok. Ramsès. Ouais, on va rester là. Courage is everything. Je m'en souviens. Ah. Bon. On va faire ça. Into your position. Et on va aller là-bas. On se rapprocher. Là, le problème, c'est que si je m'avance, c'est ce qui vient m'embêter pour parler poliment. Là, essayer de lever les troupes, ça va pas fonctionner comme ça. Je vais pas le laisser faire. Voilà, résolution auto. Je sais pas combien il reste de vie là, c'est une de ces. Pour moi, c'est en plus, je sais pas si c'est la dernière. XP de bataille. Ça. Pour rendre les projectiles. Bien m'aider. Here we are, hop, ça, on stop. The center of wealth and influence in Egypt. Alors, amélioration de colonie, parfait. J'ai besoin de ça et j'ai besoin de bouffe. Ouais. Ouais. Marché du contrebandier. Quartier de bûcheron. Moins 15-20 bois plus 20%. Même si j'ai pas de bois de base. Alors que le marché de contrebandier il est pas mal. Après je vais dans une période de prospérité là, donc c'est pas plus intéressant que ça. Allez, on va faire du bois. Faire amon.
Ah, il est où? Ah, bon, où il est? Ça, il s'est fait piller, lui. The struggle never ceases. Oh, merde. J'ai pas vu, là. Bon, c'est pas grave. Là, je ferais ça, hein. Grand hôtel de Toth. L'influence, ça augmente pas l'influence. Plus intéressant ça, allez hop. Ici, plus d'influence, ça j'ai. Going where the wind blows. Okay, place publique. Ça j'ai pas ce qu'il faut. Okay. Alors mes généraux amènent maintenant, lui il est prêt. Lui. Lui il s'embête à la frontière, lui il vient de prendre une ville. Attends, je peux le bouger? Ah ouais. On va le bouger. Bah si, on va le bouger, tiens, hé. Regarde. C'est juste parfait. Toi tu vas aller là-bas. Ah, c'est du monde quand même là. Il va y avoir une grosse bataille donc quoi. Sap. Bélier. Double sap. Ok, que toi. On va continuer le siège. Et là, j'aurai besoin d'un petit coup de main. Là, j'avais des troupes par là. Je vais devoir te récupérer. Je veux que tu ailles sur caisse. Parce que lui pourrait nous embêter. Man the walls. Warrior of Nubia. Warrior of Nubia. Ah oui, c'est vrai, c'est normal. C'est totalement normal. Allez, tour suivant. Alors Ramsès, que vas-tu faire? Tu vas essayer de venir aider tes copains? Je te donnais perdant. Ok. Ok, ça se tente. Donc que je sois donné perdant, ça c'est moche. Avec quelques bonnes troupes, hein. Guerrier d'élite Medjay. Ah, ça picote. J'ai d'élite Medjay. Attendez, d'accord, mes archers ils sont meilleurs quand même. Ouais, c'est kiff kiff, hein. Attends. J'ai d'élite Medjay, chercher. Char canadien en armure, ok, quelques chars, des unités pourries, tout ça c'est pourri. Et ça c'est pourri je crois. Ah non, j'ai mis Jai, non sûr, j'ai mis Jai, c'est pas. Peut-être. Oh, c'est bon, je vais essayer de la jouer manuellement. J'ai gagné quand même celle-là. Hein. Bataille de Nebgehes. Bon, voyons voir. Bon, en vrai, c'est eux qui viennent m'attaquer, donc autant garder les hauteurs. Mais pourquoi j'ai encore des pertes dans mes troupes? Il n'y a aucune raison. Non, mais là, c'est une déconnée. Non, c'est... non, mais non, mes armées étaient complètes. Je suis à peu près sûr. Je veux voir le... Je veux voir là-bas. Je regarde... Enfin, faut que je pense à regarder. Je suis sûr que mes troupes étaient complètes. Il n'y a pas de... Non, c'est complète, là. Putain, ils ont fait des beaux murs pour l'époque, hein. De toute façon, mon but c'est pas de prendre la ville. Voyons voir. Ils ont des renforts qui viennent de là. Ils ont des renforts qui viennent de là.
qu'il me faudrait, moi, c'est que j'intercepte ces renforts. Quoi. En vrai, si j'arrive à les intercepter... Ah, merde. Ouais, je vais pas les intercepter comme ça, je suis un peu trop loin, en fait. Je vais mettre des gens, là, pour tirer. Alors, quelques archers, là, ils sont bien, hein. Putain, j'aurais kiffé, là. Passe forte à prendre, ça, c'est parfait. Oui, je peux me bloquer, je peux bloquer là. Ça me laisse tout un flanc découvert. Ok, c'est bon, ce sont les miens. J'ai flippé pendant... Là, la hauteur ici, j'y arriverai pas avant eux. Ça vaut pas le coup. Ouais, le but, c'est que je me foute entre les deux vallées, là, et que je bloque le passage, hein. Mur de lance. C'est quoi ça? Mode de retraite. Unité se replie vers la zone sélectionnée, sans tourner dos à la position de départ. Ah, ça, c'est bien, ça. Avance héroïque. Ouais, bon, c'est l'inverse, en gros. Hein? C'est quoi le problème de ta formation pourrie? D'accord, et t'as... Cette unité elle veut pas. Hein. Un petit souci. Elle veut pas. Hein. Ça, c'est... Ok. Formation mur de bouclier. On vous ferait pareil, les mecs. Ah ouais, donc c'est une sur deux. Là, si je prends les deux, voilà, c'est bon. Ok, d'accord. Là, si je fais comme ça, ah, il y en a deux là. Ok, très bien. On va aller bouger hein, jusqu'à ce que ça marche. Hein. Yes, ouais, super. Du coup, c'est pas la même, c'est ça. Oh, c'est un délire encore là. Je sais pas, c'est quoi leur problème. Hein. Encore codé avec le QI ça. Hein. Encore pas laisser assez de temps aux devs pour coder. On s'étonne que ça marche pas. Bon. Alors là si tu me dis ils ont mur de bouclier. Non. Voilà. Je préfère les foutre par là au cas où. Et je fous mes archers. Là je peux pas en hauteur. Là je peux pas en hauteur. Ok. Les archers derrière, hein. Vraiment juste un peine derrière. Je retire le mode escarmouche, je tire des tirs standard. Là. Les unités de mêlée au milieu et les unités spéciales arrière. Je comprends pas le principe. Ah non, d'accord, oui, c'est groupé. Ok, non, bah dégage. Ouais, ouais, non, mais bon, dégage ça. Oh, putain. Ouais. Là, ce que je pensais, c'était une formation. Voilà. Les charges, j'ai bien les lisser là-bas. Peut-être laisser mon général histoire de donner un peu de bonheur là. Mes chars. Ici, mon but là c'est d'utiliser un peu les... On va dire un peu à mon avantage les plaines, semi-plaines. Et ça des plaines non plus. On va juste attendre les renforts. Ils sont déjà là eux. Allez, là ça va là-bas. Là, ça va, là-bas. Oh putain, ça craint. Oh, le nombre de chars, c'est totalement abusé. J'ai pas que ça en renfort. Hein. Allez, faut arriver les renforts un peu vite. Bon, eux.
Grouillez-vous d'aller là-bas. Ouais mais non, toi tu restes là toi. Ok. Vous les mecs, allez là-bas. Est-ce mon général s'est fait remplacer? Oh putain, oh putain, oh putain, ils sont déjà là. Attends, putain, oh là, et ça va bouger un peu trop là. Oh là là, et j'ai pas le temps là. Bon, vous les mecs, vous êtes tous avec vos chars là. Vous, tout le monde là-bas. Allez, plus vite que ça. Là, il y avait deux chars là. Et là, ok, toi, tu dégages, toi, t'es là, hop, ok. J'ai tout le temps de regarder là-bas ce qui se passe avec heureusement on a les formations assez costauds. Retirer le main. Oh si si on peut garder le main d'escarmouche en vrai avec tout ce qu'on a en char là. On a l'avantage. Putain ils ont pris cher. On a déjà fait fuir un de ces généraux, un de leurs généraux. On va jouer un coup les mecs, on a un coup à jouer. C'est tout simplement passé comme ça. Non même pas en final. Oula c'est bugué là. Là. Ils vont pas aimer là les charges normalement. Pas trop aimé mais les chars ils veulent pas trop passer non plus hein. Allez bougez votre fiac là. Ouais ils veulent pas trop bouger hein. C'est terrible hein. On a pas le temps de trop se déployer. Là j'ai des archers, il faut que je les utilise là. Les chars je vais les laisser D'accord les archers ils sont tous allés au corps à corps hein. C'est une blague. Non, c'est même pas une blague, hein. Tous les archers sont allés au corps à corps, ils se sont dit tiens on va se faire fumer. Mode garde, hop, tac, au niveau de la portée là, vite, retournez-vous là, que je vois si vous avez la portée de tirer ou pas, oui. Allez, archer Medjay là, chez Elite Medjay là, je veux que vous les dépeciez. Là-bas, tout là-bas, ça se fait dégommer. Ouais, mes chars, ils ont pas réussi à passer, hein. Pas réussi, ils ont pas voulu au choix, vous... Voyez comme vous voulez. J'ai quelques archers ici, ok. Ils sont retournés au contact hein, ces connards de d'archers. Hein. C'est dingue hein. Et c'est pas comme s'ils étaient en escarmouche, ils sont pas, enfin pas ceux qui étaient au corps à corps. Allez, activez le mode mêlée, foncez là, s'il vous plaît les mecs, là au bout d'un moment, faut assumer, vous êtes, voilà, des bonnes unités. Je vais envoyer du renfort au contact. Parce que là, ça commence un peu à faiblir. Là je vais avoir besoin de quelques troupes sur le côté, ici pourquoi j'ai des archers, j'en sais rien. Attaquez-les mecs. Et là mais archers d'élite, j'en veux plus là. Initiez-les, fumez-les là. Vous voyez tout ce que vous avez en plus, là, ils sont de côté, c'est juste impeccable, là. Vous les détruisez. Là mes chars, bah, ils ont dit au revoir tout simplement. Au revoir.
Il y a que des unités de corps à corps. J'ai l'air d'avoir que des unités. Il y a l'air d'avoir des unités de corps à corps. Soldiers, move! Ils sont où? Ok, ils sont corps à corps aussi. Hop, là on se déploie. Il sort Sardan. Oh merde. Bon, là je vais avoir besoin de deux unités d'archer. Hop, tiens, toi défonce le général. Ah bah non, c'est bon, il est déjà défoncé tout seul. Ok. Compliqué cette bataille, elle va vraiment être compliquée. Hein. Et mes chars se sont fait fumer. Là ça devrait passer. Hein. Oh putain. Je vais vite. Archers, loose. Spill blood. Lock in the sky. Oh, putain, ils ont plus de munitions. C'est dommage. Il n'y avait pas des unités là, il y avait des envahisseurs là, ils sont tous planqués là-dedans là. Voilà, allez. Mode garde. Oh putain, même ils sont pas tous en mode garde, je crois en plus. Oui, j'y étais pas. Par contre, vous tirez un jour ou vous glandez là? Ah non, ils glandent, hein, ils en ont rien à foutre. Tirez quoi, je sais pas, faites semblant les mecs. Ils ordonnent de faire quelque chose. Des tirs là de côté en plus. Ah ça y est. Ah ça y est. Bah oui. Bon. Swordsman. Si ça craint, ouais, je vais me faire une petite défaite là, j'ai l'impression. Bouger les chars comme je le voulais. Ici ça continue de tirer. Oh la vache. J'ai pas assez d'archers. Il y en a beaucoup trop. Je vais essayer de sortir ça et. Essayer de sortir mon char, j'ai pas trop de choix. D'aller bien embêter les archers, faire le tour là de ce truc. Hein. Bon. Ouh, stop. J'ai besoin de plus de troupes là. Personne. Je vais aller chercher. Là j'ai un char là. Oh ça a bug. Allez mec, il faudra accélérer. Vous avez pas bougé là depuis le début, vous êtes en train de courir ou vous êtes en train de marcher? Non mais il marche hein, c'est terrible hein. Into position. Ah bah enfin. Là c'est compliqué, je vais envoyer d'autres troupes. Donc j'arrive à percer le côté en fait, aller les faire chier aussi moi-même. Quand ils tirent en fait, à chaque fois qu'ils tirent, ils arrêtent de courir. C'est quoi votre problème là? En fait, ils commencent à courir et après ils arrêtent, je sais pas pourquoi. Oh, compliqué là. Ouais c'est ça, ils courent sur 2,5 mètres. Hein. Je m'étonne qu'ils vont pas être fatigués. Hein. Défoncer le micro.
côté là, il prend cher, il prend cher. Réémente mes troupes, elles viennent. En même temps, je me suis grouillé plutôt que de se taper la causette là sur le chemin. C'est quoi, on retire le feu à volonté, on va retirer toute distraction là. Voilà. Allez, tu te crouilles. En fait, ma victoire, il repose sur lui, sur mon général. Mon général, il fait demi-tour. Il fait demi-tour. Je sais même pas pourquoi il fait demi-tour. Expliquez-moi. Oh putain. Encore des renforts. Expliquez-moi en quoi il a besoin de faire demi-tour. Besoin de lui rappeler à chaque fois. On a besoin de te tenir la main pour aller pisser ou ça se passe comment? Bon, toi là. Allez. Waouh, ah ouais, le jeu on peut juste plus. Hein. Il y avait déjà 3 secondes là sur le timer qui vient de passer, d'un coup. J'ai les modes feu à volonté. Et là, ma seule condition de victoire là, c'est que je foute un zbeul pas possible là derrière. Et qui n'aime pas du tout la blague. Non, je vais en attaquer lui. Allez. Ça va faire très mal à mon général, surtout qu'il y a une unité juste derrière. Voilà. Le but là, c'est juste qu'ils arrêtent de tirer là. Bon, bah, apparemment, ils veulent pas arrêter de tirer. C'est bon. Ils ont pas apprécié la blague, maintenant vous vous barrez. Attends, ça reste mon général, si mon général il tombe, je suis vraiment dans la merde. Lui il a bougé ou il a pas bougé du tout? Allez. Allez, chachou, ouais. Que dalle. Alors, chez Medjay, là, qui me saoule. En plus, ouais, c'est toutes ces bonnes unités qui ont engagé le combat. Pas de chance. Ah, c'est tendu. Seulement que j'arrête de les faire tirer, là. Allez, vous arrêtez pas là. Vitesse de charge là. Oui, sur toi-même. Le but c'est d'essayer d'en faire fuir au max. Ils aiment pas trop la blague. Essayer de traverser les. Rangs. Ah merde, putain, y'en a qui tire. Et là, ça tient ou ça. Ok, attends, qui. Quoi? Mais comment ils sont passés là? Putain. Oh la vache. Là, je vais me faire taper dessus par l'arrière, c'est pas bon. Mon général là il va pas, il aime vraiment pas la blague. Et bah obéis-moi, commence par m'obéir et ça se passera bien déjà. Plutôt qu'essayer de fuir là. Un truc pour t'augmenter le moral toi. Ça aussi c'est pas trop mal. Ah, c'est de faire baisser le moral en plein milieu là-bas. Ah, ils ont déjà un moral bien abaissé, on va essayer de leur faire terminer le moral. Si les flèches enflammées n'existaient pas, on va dire.
car ça existait. Bon. Absolument besoin de tenir à sa position. Voilà, ça passe comme dans du beurre. Bon, ça fuit ou pas? Ça fuit un peu quoi. Tant mieux. Il est où mon. Ok, mon général, il s'est fait. Ah non, il a la fuite, j'ai fui. Hein. Il... Ah ouais, d'accord. C'est vraiment une lâche. Hein. C'est vraiment un lâche. Comme pas possible. Bon, il a pas mal de. Qu'est-ce qu'il me tire dessus? C'est là, putain. Continuez là. C'est tout nos flèches là sur les archers là-bas. On le craquer là. Ils en moins là. Mais je suis trop expert ici. C'est trop Telosbul ici. Essayer de choper un peu de précision. Vos tirs enflammés. J'ai tué un de leurs généraux. Où sont les autres? Putain, j'ai mis un deuxième qui fuit. Alors là, ça va être compliqué là. Si j'ai mes deux généraux qui sont en fuite. Des pertes, mais ouais, j'ai pas pu jouer mes chars comme il fallait. Même corps à corps, il avait l'avantage, il avait beaucoup plus d'unités, en fait, il avait beaucoup trop d'unités par rapport à moi. Dommage. Vraiment embêté, lui, hein, Ramsès, là, il a foutu toutes ses troupes au même endroit, je pensais pouvoir passer, non. Une belle bourde. Je reviendrai plus fort. Beaucoup plus fort. Et il a intérêt d'être courageux s'il veut gagner, je peux te dire. On va envoyer 4 armées, je t'enverrai au moins ça, voire le double. Hop, on concède la victoire. Savoir admettre quand on perd et revenir plus fort, apprendre de ses défaites. Là, surtout en perte, il a pas eu des masses. Hein. Des poussières de perte. Allez, faire possiblement deux généraux en plus là-dessus. Oh, je perds deux armées entières. We must withdraw. Genre lui, reconstitué à fond. Tranquille. Un bouton, j'en ai rien à foutre. Bon, on va se laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui sur une petite défaite, hein, une bonne défaite. J'espère que ça vous aura plu. Et puis moi, je vous propose de vous retrouver très bientôt le prochain épisode. Un grand merci à tous d'avoir suivi cette job. Ciao.